Notre Père qui es aux cieux. Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as appelé? Ah non. Non, non, je t'ai pas appelé, je prie. Notre Père qui es aux cieux. Là, tu l'as encore fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as appelé. Tu as dit, Notre Père, me voici. À quoi penses-tu? Oh, rien, rien du tout, je prie. Je fais rien de mal, non? Non, au contraire. Continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Que veux-tu dire par là? Eh bien, je veux dire que... Je ne sais pas, moi, ce que je veux dire. Ça fait juste partie de la prière, c'est tout. Mon nom est différent des autres noms. Mon nom est Je suis. Cela ne te dit rien? Si. J'y avais jamais vraiment pensé avant, mais... Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que fais-tu pour que mon règne vienne? Ce que je fais moi? Mais rien du tout! D'ailleurs, il me semble que ce serait pas si mal si tu venais diriger toutes choses ici-bas comme tu les diriges là-haut. Est-ce que je dirige ta vie? Eh bien... Je vais à l'église. Enfin, à Noël, à Pâques. Enfin, j'y vais, quoi. Tu sais, mon règne a déjà commencé. Mon royaume étant ceux qui suivent les traces de mon fils. Es-tu sûr de marcher dans ses pas? Écoute, Seigneur, je suis aussi bon que toutes ces personnes qui vont à l'église chaque dimanche matin. Comment veux-tu que ma volonté soit faite si ceux qui la demandent ne commencent par l'accomplir? Oh, je sais que j'ai des problèmes. Je suis pas un saint. Moi aussi, je sais. Tu sais? Alors tu sais peut-être que j'aimerais me débarrasser de toutes ces vieilles histoires-là qui m'empêchent d'être vraiment libre. Viens, nous avançons. Nous allons travailler ensemble, toi et moi, et voir des victoires. Non! Ce soir, ça va beaucoup trop loin, et puis ça prend beaucoup trop de temps. Donne-nous notre pain de ce jour. Me fais-tu confiance pour le pain? Oui. Prier est un acte dangereux. Tu pourrais finir par être changé, tu sais. Mais tu n'as pas fini avec ta prière. Continue. Eh bien, continue. Je peux pas. Tu as peur? Je sais ce que tu vas me dire. Et c'est donc, tu verras. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu penses à Brigitte? Voilà. Je savais que tu allais me parler de Brigitte. Mais Seigneur, elle m'a fait beaucoup trop de mal, tu comprends? Et moi, j'ai juré de me venger. Et ta prière? Ça, c'est une question d'habitude, c'est tout. Eh bien, tu es franc, au moins. Mais ce n'est pas facile de porter la haine en soi, n'est-ce pas? Non. Non, ce n'est pas facile. Mais je vais te dire, une fois que je me serai vengé, moi j'irai beaucoup mieux. Ça n'ira pas mieux, au contraire. Tu es déjà tellement triste. Mais moi, je peux changer tout ça. Toi? Toi, tu peux. Et comment? Pardonne à Brigitte. Comme un jour, moi, je t'ai pardonné. Non, Seigneur, je ne peux pas pardonner à Brigitte. Vraiment, je ne peux pas. Que disais-tu dans ta prière?
Je vais essayer de pardonner à Brigitte. Tu pourrais peut-être essayer d'aller lui parler, à elle aussi. Je ne sais pas si elle te prie chaque matin. Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis ta prière. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. C'est ce que je ferai. Mais toi, éloigne-toi du mal. Apprends à vivre dans mon amour. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Que la grâce et la paix t'accompagnent.